Hey, salut à tous, bienvenue pour une vidéo avec Captain Shadow. On est parti pour tester un jeu qui est gratuit tout au long de ce week-end du 31 juillet, qui est Rocket Arena, qu'on peut voir en fond. Donc on est avec le tonton Cobra qui s'y présente, qui va devoir nous supporter pour une ou deux games, tester un peu le jeu. Je crois que c'est EA qui est derrière ça. Le jeu est payant, un battle pass. Et c'est un genre de battle royale mélangé avec du Smash Bros. L'objectif va être de tirer avec son lance-roquette sur l'adversaire pour remplir une jauge de dégâts. Si sa jauge de dégâts remplit à 100%, il se fait éjecter la map au prochain coup qu'il prend. Donc un petit côté Smash Bros qui est à peu près, qui est un peu marrant. C'est du 3 contre 3 de mémoire. Et on est parti. Et c'est le meute. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et passe sur notre compte Utip, chaque publicité que tu regarderas rapportera 5 centimes à notre cagnotte. C'est peut-être rien pour toi, mais à force, ça fait beaucoup. Donc, bon visionnage, ciao! Bon, en plus, nickel. Au moment où l'intro finit, ça passe sur le match trouvé. Allez, les gars. Donc, le jeu est payant, malheureusement. Pour moi, c'est le genre de jeu qui, comme Fortnite, comme Apex, devrait être gratuit. Quitte à mettre le pass combat, mais pas faire un jeu payant plus un pass combat derrière. Parce que c'est le genre de jeu qui va très vite, sinon partir dans l'oubli, on va dire. Tiens, moi, je prends la petite demoiselle là. Alors, je connais pas ses pouvoirs du tout. Allez, il y a le gros pirate. On a un mec que 19. Oh, la petite condesse avec les cheveux gris, sympa aussi. C'est quoi, allez, hop, je prends elle. Mm. C'est de la cinématique d'intro en plus du jeu, je crois. Avec sa sulfateuse là. Ah bah tiens, on est en face aussi, pareil. Ouais, mais 21 et 17 en face, c'est un chiffre 1. Ouais. Allez, ce qu'on vous a pas dit, c'est que le jeu est crossplay. Donc, on peut affronter des mecs sur PC aussi. J'en ai un. Un moins. Non, 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 je me suis fait éjecter. J'en chie un petit peu pour viser quand même. Hein. Ah, t'en as éjecté un, je crois. GG. Yep. C'est quoi le truc là au milieu, là, le calamar là? C'est un pouvoir normalement. Les médailles, c'est quoi? Faut les récupérer pourquoi en fait? Faut les ramasser. En ramasser le plus possible. Il y avait une mine laser, j'ai réussi à le péter. Oh. Putain, allez, mange. Teammate treasure chest. Oh, tu prends tes balles, oui? Oh, la Risa survit à son méga chute. Putain, et moi je suis mort. Au moment où je voulais aller ramasser le coffre. Ah non, 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 non. Non, 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 j'ai tombé la mine! Putain, coffre hors jeu, retour à l'arène. Je suis tombé avec le coffre, putain, je me suis pris une balle dans le dos. Je sais pas, tu vas prendre ton coup, non? Allez hop, dégage! Allez! J'ai éjecté. Couvrez-moi. Oh,
C'est bon. Oh, on a pris 20 points. Allez. Encore des pièces, poteau. Ouais, c'est ce que je suis en train de ramasser. Non. Oh, je viens de survivre à une chute dans le vide. Allez, un autre. Oui. Oh, j'aime bien cette meuf que je contrôle. Arrête-moi. Oh, j'en ai juste un autre. Oh, je suis content. Bien. Allez, encore un autre. Allez, les pièces. C'est bon, 250. Bouyaka. Oh bah, gagné. Oh, j'adore mon perso. Y a un petit truc qui permet de faire un grand coup de boost en avant et frapper avec la planche. Ouais. Ticket de participation. Remportez votre première victoire dans les listes sociales ou classées. Elle était rapide. Dur à cuire, DJ. Remportez une victoire avec Crève. Ah. Y'a pas un truc pour le classement pour voir si ceux qui ont fait plus de kills ou tout comme ça? Ah si. À la fin, tout à la point fin. De coffre 22, donc on n'est pas les plus gros. Pièce récupérée 70, je suis le plus gros. Chaos, c'est le nombre de mecs que j'ai mis dehors. 6, je suis plus gros destructeur. Et en dégâts infligés, je suis deuxième. Le mec avec nous a fait plus de dégâts. Mais je suis numéro 1 en éjecter les mecs. Terminer 3 matchs. Allez, je vais essayer de prendre un autre personnage maintenant. Ouais. Je vais tuer ma copine si ça continue. Évite le temps qu'on enregistre, hein. J'ai pas envie de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai regardé la température. 45 au soleil et 34... Mon téléphone, tu sais, je l'ai mis sur le bordure de... Bah, tu sais, on a une accroche pour pouvoir mettre le téléphone dans la voiture. Ouais. J'ai mis, mais genre 5 minutes. Le temps de faire le... Enfin, 10 minutes le temps d'arriver de chez moi au boulot de ma femme. Le problème, c'est que j'ai le S20. Et le contour du S20, c'est du métal. Je l'ai pris dans mes mains. Oh, je l'ai jeté par terre. J'ai cru qu'il me... Je m'avais brûlé la main. Le téléphone était bouillant. J'ai cru limite que la batterie allait gonfler pour me péter à la gueule, tu sais. Alors, qui c'est? Alors, on avait pris Rêve. Donc, c'est celle-là. Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Bah tiens, on va peut-être prendre Kayi, tiens, le personnage qu'on avait au tout début, qu'on avait choisi. Elle a une arbalète. Ah ouais. Et elle a un grappin, donc à mon avis, ça peut peut-être nous sauver le cul, machin. Le mode méga roquette, c'est quoi? C'est éjecter en fait. Ah, on a une autre rêve, on a... Ok. Donc là, c'est mode méga roquette, c'est nombre de fois qu'on éjecte quelqu'un. Ah non, capturer des roquettes, d'accord. C'est une capture de zone. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. D'accord. Faut tirer contre le mur pour pouvoir monter. Ah, et là, en fait, je peux... Capture the mega rocket.
Oh, oh non, non, allez, non, non, allez. Oh putain. Par contre, ce personnage il est horrible. Le problème, c'est que c'est une arbalète, donc en fait, faut que tu charges ton tir pour faire plus de dégâts. Ouais. Là, on va moins rigoler, à mon avis. Ah, oh, par contre, c'est cool parce que le. Allez, toi, dégage. Merci. Ah, non! Non! Oh! Oh putain! Mon pouvoir, mon arbalète peut me permettre de pouvoir me sauver le cul? Par exemple, si je me fais éjecter, poteau, et si je pense à activer mon grappin, je peux revenir dans, au centre de la map avec. Avec en fait. Ouais, en fait, le grappin, si je pense à viser un élément de décor et à choper l'élément de décor, même si je suis en train de me faire éjecter, bah, ça peut me ramener sur le terrain en fait. Ah, ah, bah là, j'ai pas pu. Bon, ça doit pas marcher à chaque fois, quoi. Par contre, la rêve, elle est cheatée. La Gatling, plus le fait qu'elle puisse rentrer dedans, elle est beaucoup plus active. Celle que j'avais tout à l'heure, elle est vraiment cheatée, quoi. Ah, putain, mais j'oublie toujours qu'on a le qu'on a l'esquive. En cliquant sur le joystick, tu peux esquiver un coup. Allez, dégage. Tiens, mangez. Tiens, bloque dans le décor, la salope. Ah, c'est celle que j'ai. Hein? C'est le perso que j'ai qui est en face aussi. En gros... Non, je sais pas de la rêve, là. Le problème, c'est que la rêve, avec sa planche, j'étais en gros dans un angle de mur, je pouvais pas monter le mur. J'essaie de tirer par terre pour me monter, mais comme j'ai une arbalète, c'est la misère pour remonter l'escalade. Et la gondole, ça fait me tirer dans le dos pour m'écraser contre le sol. Donc en fait, elle m'a campé comme une merde, quoi. Bah, putain, à mon avis, celle-là est perdue. Hein. Oh oui. Regarde, j'ai même pas le temps de viser. Ouais. À mon avis, là, on doit avoir des mecs PC parce que c'est pas possible de viser. Par contre, niveau dégâts, je fais pas autant de dégâts qu'eux. Hein. C'est abusé. Hein. Ah, moi non plus. Regarde, j'apparais, je me ramasse un coup. Ouais. Par contre, l'autre là, c'est qui se met sous l'eau en mode Splatoon avec une tournade. Ouais, la gondesse, elle est indestructible. Parce que quand elle est même quand elle est en full dégâts, elle se met en position pour aller sous l'eau. Et la gondesse, bah, c'est impossible de la. Tu peux pas l'éjecter quand elle est sous l'eau, quoi. Ah bah. On fait une dernière pour la win. C'est quel perso qu'on avait en en personnage de du didacticiel?
C'est Attends, je vais te le dire quand je vais le voir. Que j'ai dit, soit je prends le perso du Titaticel, je crois que c'est un gamin, ou soit je prends la gondesse avec la lance. Alors, le perso du Titaticel, c'est... Ah bah là, c'est du MME basique. C'est Jaito, le perso du Didacticiel. C'est lui que j'ai pris. C'est lui ? Ok. Bah, je me dis, je vais peut-être prendre la meuf alors, Izel. Qui t'a montré une troisième. Un troisième différent. Ah bah il a. Ah bah ouais. Oui, bah. 1, 1 et 4. Bon. Par contre, j'ai une sacrée coupe de cheveux, putain. Ok, ça. Ok, tire, elle tire un laser avec son truc, ok. Ça, c'est un shuriken. Oh ! Je peux me propulser avec ma lance. Wow, 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 wow. Pardon ? J'ai pas compris le délire là. Oh, attends, ils sont arrivés, ils nous ont quasiment tous pété la gueule. Ouais. T'es sûr qu'ils sont niveau 1 les mecs ? PC. Ouais, non, non. C'est impossible que ça soit de niveau 1. Ah, j'en ai eu un. Oh non, assistante, le mec m'a piqué à la fin, enculé. Lali m'a piqué mon kill. Avant, je trouve que niveau pouvoir, il n'y a pas beaucoup de vraiment gros pouvoirs différents, toi. Par contre, ah non, j'atterris. Sérieux ? Putain, je viens d'atterrir et je me reprends un coup dans le dos direct. Putain, les mecs sont partout. C'est horrible. Fais gaffe à terre. Attends, je viens de lui mettre un gros coup, ses points de vie ont pas bougé. Attends, le mec il a un autolock, c'est pas possible ou quoi? Le mec avec les ailes là, le mec impossible de toucher. Le mec à chaque tir qu'il fait il me touche. Ouais bah. Moi ça fait 15 fois que j'essaie de. Le mec je l'ai mis dans le rouge en méga mal. Mais Nectaras quoi, c'est... Allez, tiens, elle est tombée. Putain, le mec, il meurt pas, quoi. Pardon, mais regarde, je viens de... Comment ça se fait, je viens d'apparaître, je vais me prendre un truc dans la gueule, quoi. Ouais, elle peut... Ah. Double KO. Ouais. Viens-toi, Cobra. Ah, putain, m'a éjecté. Shadow stream, le mec s'appelle quand même en face. Hein. Non, je stream pas. Pas encore. Deux, ils me donnent des ordres en plus en face avec leur pseudo. Cours.
Putain, bon. Putain, mais je me fais combo. Je me fais combo, putain. J'ai l'impression d'être tout seul sur la map, quoi. Les trois mecs, j'ai l'impression de les avoir sur la gueule. Oh, y'a certains, mais c'est, ils ont déjà farmé le jeu, mais comme, c'est horrible. C'est injouable pour certains joueurs. Putain, t'es même pas en classé que les mecs sont déjà en mode tryhard, tu sais. Putain, je rate le mec à chaque tir, c'est horrible. En plus, c'est con parce qu'on avait commencé à bien rattraper le truc. Non, toi, fais pas chier. Hop, allez, le. Adam. En fait, faut qu'on reste en équipe, quoi. Bon. Bam, dégage, allez. Assistant. Non, hop là. J'ai fait m'éjecter de la map. Moi aussi, on a failli m'éjecter, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Le mec qui vole, c'est impossible de le toucher en plein vol. Mon arme, elle tire trop chelou, j'arrive pas à le toucher. C'est pas une hip scan quoi, c'est vraiment un truc hyper long. Tiens. Ah, j'ai eu. Oh, j'ai eu collé contre le mur. Hein. Oh, avec mon assistant. Oh non, assistant de KO quoi. Mais regarde, comment ça se fait que je me prends des missiles, des. Y en a, ils sont abusés au niveau des dégâts, les mecs. Mais il prend pas, putain, ça vient de passer deux fois à travers lui. C'est horrible. Le mec, je suis collé à lui, je suis à moins de 2 mètres. Je suis désolé, tu peux pas rater un tir à moins de 2 mètres. Et le mec, sérieux, c'est collé à lui, ça le touche pas, quoi. Putain, crève, salope. Oh. C'est chiant, en plus, on les avait rattrapés, quoi. Non mais attends, mais garde, mon personnage, je peux pas bouger. Il me comme contre le mur. Ces tirs sont impossibles à esquiver. Je suis mort, t'es mort. C'est mort. Là, honnêtement, si on peut signaler, le mec avec les ailes, il est injouable. Le mec, il te spam en boucle, tu peux pas bouger. Non. Le mec, il est H24 au-dessus de ta tête, il te campe la gueule, le moindre de ses tirs te fait voler. T'es bloqué dans le décor, c'est injouable. C'était qui? Surtout partager, liker et oublier. Merci à vous.